L'île de Sein, au cœur de l'hiver face à la pointe du Raz. Ses embruns, ses vents, et puis ses habitants, 200 à l'année, dont un médecin, Ambroise Menu. Bien, comment va-t-elle? Ça va plutôt bien. Bien, donc 1er décembre 2013, 2014-2015, bah, c'est fait, elle entre dans sa troisième année. Ah bah, Emilie, c'est une ilienne. Yann prise dans le sens née à l'île de Sein. Et les naissances sur l'île, c'est encore possible? Oui, c'est possible, c'est envisageable aussi en cas d'urgence ou de tout ce qu'on veut, mais s'il n'y a pas d'organisation de clinique ici ou d'accouchement successif ici, sûrement pas, non. En tout cas, c'est une belle expérience. Ah, c'est même plus une expérience, c'est le bâton de maréchal, là, c'est... Médecin et aussi premier adjoint. À 68 ans, la vie d'Ambroise est bien occupée entre ses patients, ses amis et la mairie. Jean-Paul, bonjour Ambroise. Comment va Ambroise? Ça va? Bien. Bonjour. Par ce temps-là, c'est pas évident. Pas simple. Hein. Heureusement que c'est pas tous les jours. Après. Ouais. Bon, alors? D'abord, comment ça va? Alors. Ça va mieux. J'étais fatigué, maintenant ça va mieux. Bientôt la retraite. Ah oui? Bientôt la retraite? Bientôt. Ah oui. C'est un scoop. Pierre Vardec Ace. 14-8. 28 juin 2016, ça fera 40 ans d'installation. Pas l'île de Sein, évidemment, mais 40 ans d'installation. Et le 29 septembre 2016, ça fera 14 ans à l'île de Sein. C'est comment en politique? Deux septennats, c'est suffisant. Ce sera problématique, là, hein? Faire venir quelqu'un maintenant, compte tenu du nombre d'habitants, je sais pas. Si on a un médecin, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense qu'il y aura quelqu'un. Ah, oui, il y aura quelqu'un, pense, bah oui. L'heure de la retraite a sonné. Mais pour Ambroise, pas question de quitter l'île de Sein. Sa vie est ici, sur ce petit caillou, au milieu de l'océan. On est bien ici. On est très bien, c'est tranquille, c'est un peu, c'est à l'abri. Il y a plein de choses à faire ici, ne serait-ce que méditer.